Tem que uma prece. Você vai pressa. Você vai pressa. Você vai pressa. Sei que você pode pressa. Se vai que você. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Hey, à ta place. Non mais alors, c'est qui commande ici? C'est toi? Oui, bah oui. Ah, c'est pareil. Alors même qu'on s'enfonce les aiguilles dans le corps, l'électroacupuncture, même principe avec des petites décharges électriques, j'ai moi-même développé des méthodes, la fourchettothérapie. La fourchettothérapie seulement. Alors en quoi ça consiste? On allonge le patient et en fait je lui donc assène des petits coups de fourchette comme ça partout sur le corps de manière à créer des blessures. Oui, des blessures qui est en fait en cicatrisant, viennent renforcer la texture de la peau. Et vous travaillez sur d'autres méthodes? Oui, la chiffloterapie. La chiffloterapie. Là, c'est à main nue, hein, le patient est face au médecin, debout. Et je prends des marques. Et il se prend des marques. D'accord. Ouais. Mais c'est pas un peu dangereux pour la santé? Alors, si les séances excèdent 30 minutes, mais surtout pour la santé du médecin qui s'expose à ce qu'on appelle une riposte du patient, par un effet d'agacement en fait, et qui dans des communes. D'accord. Voilà.
peu controversée qu'on appelle la michélothérapie. Ouais, très controversée. C'est une médecine douce pourtant, hein, qui consiste à rester assis et à caresser sa chienne. Monsieur, la santé n'est pas descendue. C'est bon pour la santé, ça? Mais je connais très très bien une personne qui pratique la michélothérapie tous les dimanches et qui est en parfaite santé. Hein. Ouais. Merci pour ces conseils, docteur. Michel, je vous rends la parole. Vous pouvez reprendre votre thérapie de groupe avec vos invités. Vivement dimanche prochain. Allez, Arnaud. Tu es belle, ma louloute. T'as faim? T'as faim? T'as faim? Oui? Va manger? Va manger? T'as faim ou tu veux jouer? Hop. Bon, t'as pas faim alors. T'as faim? Bon, allez, on va manger. Hein? On va manger? Intelligente, mais du loot.
si t'en dis. Tu veux ajouter quelque chose? Voilà. Allez, à bientôt, j'espère.